Encore une fois, Nicolo Nanyo Soya. Matin souvent, on a un bon coup dans Zabé. Nicolo Nanyo Soya. Nicolo Nanyo Soya. Matin, le soussou. Ah, Nicolo Nanyo Soya. Nanyo Soya. Allez, on a un débo. Encore une fois. Ah, Nicolo Nanyo Soya. Ah ouais, oh, ya yeso zali, Nicolo Malazia, ouais, oh, Nicolo Malazia, yeso zali, Nicolo Kozanga, ya ouais, oh, Nicolo Zosa, tous ensemble, ya yesu epesa melayo, epesa melayo, kolo konaso. Yesu epesa mela yo Yesu epesa mela baba na ya Yesu nosa babo Nicolo Nanyo Soya weo Nicolo Nanyo Soya ya Yesu zali Nicolo Nanyo Soya weo Nicolo Nanyo Soya ya Yesu zali. Sharaba Santa Ribashe Amazi Darabushe Kuriabazi Brashe Kuriaba Santa Ribashe Amama Santa Ribushe. Hey! Shekeza la yin ayome na telemi Natikelinzambe trono. Est-ce que tu peux faire au-delà de ça? Tu peux pousser le cri de joie plus que ça. Fais plus que ça, fais plus que ça. Va au-delà de ça. Va au-delà de ça. Mouto ya longola kasoni. Nzambo ya longola kasoni. Et si kalibot est ton aki na soni. Momo est ton di na soni. Mouto a ton di na soni. Mais Nzamba Zoe a son baissé sens moussou sur la vie. Nzamba Zoe honoré public. Maché, carabassé, tarabaché. Avogi Sakae. Asili Saka Milelo. Yavula Navula. Azogi Sakae. Sengoye Koufakala. Yozanzabe. Abogi Sakae. Abogi Sakae. Asili saka mile, yambula nambula, azogi saka esingo ekumakala. Ya Yesu, azazame, abogi saka e, abogi saka e. Ya Yesu, asili saka mile, yambula nambula, azogi saka esingo ekumakala. Ya Yesu. Yesu abogi saka e, asili saka milelo, ya mvula na mvula, azogi saka ese, ekufa kala, azana be, abogi saka e, asili saka milelo, ya mvula na mvula. Azogi saka esego ekufakala. Aleluya. Azadame. Yesu abogi saka e. Abogi saka e. Ayana yo yo. Saka vilelo ya vula na vula. Azogi saka esego ekufakala. Ya Yesu. Azadame. Yesu abogi saka e. Jésus, papa, na, asili saka, ya Yesu, yambula na mbula, shilo nanga, azogi saka, esesu, ekufakala, papa nanga, azazame, chante avec nous dans le cœur, abogi saka, abogi saka, papa nanga, asili saka, milelo, yambula,
papa bana yo yo Un Dieu merveilleux. Et si la médecine est encore rebondissa, t'es en bas à ma côté à rebondissa. Et si la moutaza la difficulté à rebondissa, Nzambaza na makoki ya kobongisa. Esika yo moko monike na ah. Esimba soute. Les sœurs de Lazare ont dit, ils sont déjà, il est déjà enterré. C'est quasiment impossible qu'il revienne à la vie. Mais les dieux vivants, les dieux réels, les dieux qui peuvent tout, les dieux qui a toutes les capacités, les dieux tout puissants, est venu. Jésus de Nazareth, il s'est présenté, il n'a pas touché la tombe, il n'a pas touché, il a seulement pleuré et il a dit, Lazare, sors de là où tu es, sors de là où tu es. La médecine ne peut pas expliquer ça, la science ne peut pas expliquer ça. Shekarabazita Raboche. C'est lui le Dieu que nous sommes venus chercher ce matin. C'est lui le Dieu que nous sommes venus prier ce matin. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ton onction que tu as déversé ce matin. Merci pour ta présence qui est déjà disponible au milieu de nous. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te voir. Nous voulons que tu puisses nous transformer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons nos places en acclamant le roi de rois. Que Dieu soit béni pour ce matin. Un matin plein de bonheur, n'est-ce pas? Osons sentir présence Yamoli Moussantou Katinabiso. Osons sentir atmosphère ya lola katina biso batumsu bazanga rabilo raboye. Alléluia.
biloko okuta nga epa na biso. C'est-à-dire pas bato bakanga mina Yesu na molimo santo. Ndo okuta atmosphère aboy. Mais c'est pas que mutu moko na tongwa lelo par cette adoration nzamba visite motema, n'est-ce pas? N'est-ce pas que avant que tu batteya oyoki déjà que on nzamba sali quelque chose. Soro zali wana betela Yesu maboko. Nous disons merci à notre Père pour la confiance qu'il a placée en nous en permettant à ce que nous puissions nous tenir devant le peuple de Dieu pour que nous puissions parler. Nous vous disons aussi merci parce que vous êtes là. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Que les dieux de Mera, les dieux de ce matin, puissent vous bénir aussi. Depuis le mardi, nous avons commencé avec notre thème que nous avons intitulé « La guérison des blessures intérieures, une condition pour une délivrance réussie ». La guérison des blessures intérieures, une condition pour une délivrance réussie. Nous sommes toujours dans notre texte de base, Luc 4, 16 à 19. Luc 4, 16 à 19. Prédication à Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, je pense que tout le monde est aux Awa. Ce qui nous a amené ici, c'est la délivrance. Même si vous n'êtes pas encore passé par la délivrance, mais ce qui fait à ce que vous puissiez vous retrouver dans cette église, c'est parce que on vous a parlé de la délivrance. Et la délivrance, bien aimée dans le Seigneur, est réelle. La délivrance est vraie. La délivrance n'est pas un mythe, mais la délivrance est réelle. En venant ici, c'est vrai, vous êtes venus pour la délivrance. Mais c'est Dieu qui a fait assez que Oyanakatia Sika Oyo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, mais qui ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent trouver la délivrance et la vraie. Alléluia. Ma problème est de submerger Bango. Où est-ce qu'ils peuvent trouver la vraie délivrance? Se retrouvant en ces lieux bien-aimés, c'est-à-dire Nzambe mutwa guide oko matiawa. Oye, oleki na délivrance, o fouté logouté. Te enseigner yo gratuitement, te bonde lipo na yo gratuitement, nzambe pa sale li yo gratuitement. Sko babilo ronyo so wana, don nzambe muta simba ki mutema na yo, pe a guide yo oko mati ya wa. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Bazo luka église a solo za wapi. On reçoit des gens, oroga non,
prophète wana senga inga to couché na, excusez-moi, passez-moi l'expression, pour à délivrer à la mari de nuit. Je me souviens quand j'ai fait le stage au ministère du plan, je croisais une fille qui prie na église au baïtulisaka symbole, bah élément pour chaque problème. Pour la guérison, il faut utiliser telle chose, la délivrance, le miracle et son encadreur. Je pense que nous sommes en train de comprendre de quoi je suis en train de parler. Son encadreur lui dit, Omoni Uiloyo, osana problème, osana esprit à séduction. Parce que Uiloyo, il faut appliquer Kango Kuna. Vous comprenez? Alléluia. Ou appliquer Kango Kuna pour ebengana ba mari de nuit. Quand elle me l'a dit, je lui ai dit, mais huile, c'est parmi les stimulants. Donc, délivrance, exactement, il y a ça, mais la peau a été huile ou anande roubando bengana mari de nuit. Vous voyez comment les gens sont en train de souffrir juste pour obtenir la délivrance. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus ici. Peut-être depuis que yé awa, ozo mwana bilembo ya délivrance té. Tu te poses des questions, quand est-ce que la délivrance sera réelle ou palpable? Nabo moinayo. Mais il y a des choses qui empêchent à ce que nous puissions bénéficier de la vraie délivrance. Et parmi ces choses, nous avons les blessures intérieures. Nous avons les blessures intérieures. En venant chercher Dieu, en venant chercher la délivrance ici, à Mera, nous devons savoir une chose. Dieu a sa part dans la délivrance. Dans la délivrance de ta vie, Dieu a sa part. L'Église a sa part. Que nous remplissions d'ailleurs fidèlement. Nanzala, na fatigue. Des fois, en Arabie, ce n'est pas militaire. Aux Européens anciennement, l'Église joue son rôle. Yo posa un rôle na yo à jouer na délivrance. Alléluia. En ton sein, on prie pour toi. Dieu te responsabilise. L'Église te responsabilise aussi pour ta délivrance. Voilà, ça va pas passer. Hein? Alléluia. Ayango na de mera. Peut-être que me comprenez bien te yango na de mera. L'Église te responsabilise aussi pour ta délivrance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, avec les blessures intérieures, naba potami oyakati, il est difficile à ce que nous puissions vivre la délivrance dans son entièreté. Pourquoi? Parce qu'il y a certains événements qui ont rendu l'homme mauvais. Et comme ici, Mabé, non par essence ou par nature, c'est-à-dire, non. Certaines circonstances de la vie ont fait à ce que l'homme devienne mauvais. Et ça dit que Moutou a bébissama. Et si ces circonstances sont peut-être volontaires ou involontaires, mais qui font de toi une victime? Aux victimes, il y a des circonstances. Nous avons défini les blessures intérieures comme étant des séquelles internes qui sont causées par un ou plusieurs événements et qui ont provoqué, ces événements ont provoqué des chocs douloureux en nous. Ces chocs douloureux, nous les avons de façon consciente ou inconsciente. Bien-aimé, ces séquelles détruisent l'homme intérieurement. Nous parlons des blessures intérieures. De la même manière que nous avons des blessures du corps, c'est-à-dire qu'on peut voir
mutakoki pe ota alcool. Il faut pas nier l'existence des blessures intérieures. Nous devons reconnaître que nos blessures intérieures paysali. Il y a aussi des blessures de l'âme. Même si elles ne sont pas visibles, boyées. Mais ces blessures se font remarquer généralement par le comportement, les paroles, les actes. Quand quelqu'un pose un acte, et quand vous essayez un peu de scruter, d'examiner profondément, vous comprenez qu'on a acte homme qui a posé ça. Et ça, quatre, nous venons de lire dans Luc 4, 16 à 19. C'est la mission de Christ sur terre. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et quand il a déroulé le livre du prophète Ésaïe, il trouve là où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est cette bonne nouvelle que Christ devait amener aux pauvres? La bonne nouvelle, d'abord, c'est la nouvelle de la repentance. Alléluia. Alléluia. Christ devait ramener les cœurs des gens à la repentance. Il devait préparer les gens pour une bonne éternité. Et la deuxième chose qui vient s'ajouter, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On te conduit vers ton salut, tu entres sur le chemin de ton salut, et ton cœur qui est brisé doit être aussi guéri. Alléluia. Et quand la Bible, quand nous parlons ici du cœur brisé, ce n'est pas cet organe en fait qui permet la circulation et la répartition du sang dans Nzoto Amutu. Ils ont permettre à ce que Makila et Tamboulanara dans Nzoto Amutu. Ce n'est pas ça. Ici, il est question de l'âme. Alléluia. L'homme est tripartite. Il a le corps qui est la partie physique ou la partie visible qu'on peut toucher comme ça. L'homme a l'esprit. L'esprit, c'est l'élément qui lui permet d'entrer en contact avec la réalité spirituelle. C'est l'élément qui lui permet de vivre aussi dans le monde spirituel. Et l'âme, c'est le lieu où résident les sentiments, les émotions, les souvenirs lointains qui font à ce que devant un événement, ou soit devant les événements, nous avons tendance à nous référer à notre vie passée. Et en nous référant à notre vie passée, cette référence fait à ce que nous puissions imprimer un style de vie. Alléluia. Tellement que ta vie passée est mauvaise, tellement que ton âme a connu de chocs, ça imprime Nemo à revivre. Et ces comportements enlèvent en nous la joie. Ça peut enlever aussi la paix. L'âme se trouve entre le corps et l'esprit. Et cette partie, l'âme, joue une très grande partition dans le corps. Alléluia. A une très grande importance. Quand l'âme est touchée, le corps est aussi touché. Quand l'âme est touchée, ça peut aussi faire à ce que l'esprit soit touché. Nous avons donné l'exemple. Moutazan n'a pas de soucis. Quand tu as des soucis, tu ressens tous ces soucis-là dans l'âme. Mais comment est-ce que l'âme affecte le corps? Au moment où Moutazan n'a pas d'appétit. Moutazan n'a pas d'appétit. C'est-à-dire que l'âme a influencé le corps. Alléluia. L'âme influence aussi l'esprit. Je prends seulement l'exemple des soucis. Tu as des soucis, ça t'est difficile de prier.
c'est-à-dire d'entrer dans le monde spirituel. Parce que la prière, ezara malobo zobim, ozobimisa. Malobawana ozo simbango tozo monangote. Mais ozobimaraga. C'est-à-dire malobawana en soi est spirituel. Et malobawana, quand ton âme est asphyxiée, quand ton âme est tourmentée, esprit na yope et vous a tourmenté. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos âmes. Nous avons eu à parler sur l'histoire de Naomi. La Bible dit Naomi était mariée à un homme appelé Elimelech. Et de cette union, Naomi a eu à Botibanami Balé. Deux hommes, deux fils. La disette, la famine a frappé Bethléem. Elimelech, son mari, lui dit, « Tokende, dans le pays de Moab, nous pouvons quand même trouver quelque chose à manger. Nous pouvons bénéficier de la vie kuna. » La moussa m'dadola là. Kola la te. Et arrivé là-bas, Elimelech, son mari, qui les avait déportés, il est décédé. Naomi se retrouve seule avec ses deux fils. C'était déjà un problème. La deuxième chose, après la mort d'Elimelech, les deux fils de Naomi, Babali. C'est déjà une. Naomi était blessée par la famine. Deuxième chose, elle est blessée par la disparition de son mari. Et la troisième chose, elle est blessée par le mariage de ce fils. Comment elle peut être blessée par le mariage de ses fils? Elle a perdu son mari. Ces deux fils ne vont donc constituer consolation pour Naé. Bango ne va rien que pouvoir pour Naé. Si que bana na mi balé pe ba bali. On est ezaboyé naturellement parlant. Moi na mo bali so ka bana ro aider maman na bango à 100%. Une fois qu'asa marié, parents il faut yé ba que non. Côte par na yo et pas moi na no sali nini et diminuer. N'est-ce pas? Ba maman ba rondi mangote. Ba mama boluba amen. Ba mama bo pesa so amen. C'est logique. Bible est toute ata so rien la science za bongo. Pour entrer za ka moko. Ka $1000 wande kotaka. Parce que $1000 e ba nofte abinonda. Eli esayo, ela tisayo, ezo traité yo. Même $1000 wana. Tanga ba la saline. Et quand on bolie sa koto, n'est-ce pas? Ba mama ba ndimarango te, ba ata bo ndimite. Ndimarango siko potango yokomela yo, osala souci to okoma pe mutima ma mabete. Po ba tumsu ba koma ba ndoki likola biloko, ana mais c'est simple à comprendre. Oyini na bo kilo. Mais c'est simple à comprendre. Alors Naomi est blessée par le mariage de ses deux fils. En évoluant dans la vie, ses deux fils aussi meurent. Parce que ça, je parle des blessures d'ordre affectif. Ses deux fils aussi meurent. C'est-à-dire, Naomi perd toute l'affection qu'elle pouvait avoir du monde. Alléluia. Elle est privée de son mari. Elle est privée de ses enfants. Et le pire encore, ces deux belles filles, ma beau tité. Si que, bah, qu'on a eu, bah, regarde qu'on constitue à ta consolation. Sora Tali, Sogi Joseph, Sogi Nanani, ou bien,
mobali nanga kufa bana bakufa mais consolation bango siko wana pe azuite privé entièrement de l'affection. Naomi a même refusé à ce que ces deux belles filles puissent l'accompagner. Pourquoi? Pour Naomi, elle pouvait servir à quoi? Pour l'affection est déjà brisée. Elle a été blessée à cause de leur mort. Pourtant, Nabatambo essaie de l'accompagner. Mais Naomi a boi accompagnement. Naomi s'est effondrée. Elle est brisée affectueusement. Elle les repousse à Zobenga la bango bokende. Beaucoup de gens aussi ont des problèmes ou des blessures d'ordre affectif. Neti Naomi. Beaucoup de gens ont vécu des événements malheureux qui ont détruit le sentiment d'attachement et pas Batumusus. Ils n'ont plus besoin d'être assistés. Depuis que tu as perdu un être cher, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, une amie. En tout cas, pour ça revivre sous la batuezate. Pour moutouan dans la guignon sopona, il t'accompagne. Depuis mon bal, il n'a koufa. Olobi, en tout cas, je préfère rester boyé. 40 ans, âge zanan. Le corps fonctionne normalement. Molobi, tu préfères rester comme ça. Tu as perdu la joie. Il y a des gens qui ont été blessés émotionnellement, sentimentalement. Ozarana Jo Moroboy. O le lara est fort. Il n'y a pas le lara fort, Johanna. Sigoyo. Après un temps, Johanna Balugelio sans raison. Mouta supporté 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après la mouya kei. Aboy yoga aboy. Banda wana. Otiga na problème wana. Orasu olingate. Soroyoyira komo wana Grégoire, o papa tangara Grégoire. Oyira komba Grégoire, olobi Grégoire oyo. Peut-être tu es déjà marié, hein? Mobi Grégoire oyo. Modèle a brisé mon thème en angaï. Ozana mobali non a supermarché, beaucoup t'as nigana Grégoire boy. Okanye longi. Okomo soani sana mobali nao. Marié. Ezalarato, ezalarate. Va servir à répondre, attends. Et ça l'a raté. Oye ma colère et Mathieu. Ce type n'a pas compris pourquoi vous soyez là. Yo mon roi est que non, Grégoire et l'on y a Grégoire. Et Zoni Singa, blessure en 1960. Blessure époque coloniale. Baboyon époque coloniale. Mais blessure en Ezaraka. Et il y a de ceux-là, Oyo. Mobali aye. La virginité, c'est une vertu biblique. Et ça retourne dans l'église. Bisoskwa to bagi si dos à fanfare. Bana palé, bazo comprendre. Alléluia. Sauf que moi, on a parlé, tout comprendre encore à Mingite. Miko les Oya. Si go moutandimi na cédé. Animé les soumoupons, les pauvres lingues, lesquels est la moutema? A cédé garaboué. Longwa. Baboyo. Ce que Banda remonte à la, si je me retrouve comme ça, c'est à cause de ces messieurs. Les lots même thèse, moussous, bat, va développer. Oh non. Moi, na moi, si Robé Visayo, moi, na mon bal, si je remonte à mon tout, des trucs pareils. Parce que au qui va thèse nion sur la ondimi, après la personne te lâche.
Depuis toujours, tu es resté blessé. Tu as échoué dans la vie à cause d'une personne. Ligola mobali wana, to ligola moi si wana échoué dans la vie. Oyina basi, oyina mibali. Soyara, tantine s'il vous plaît, babandara rabo yapo basuka rababo yaka. Beaucoup de gens vivent ça. Tu as pris beaucoup de risques dans l'amour. Tu as pris beaucoup de risques. Bafingi, bacholi, babouakisi. Mais, on dit migaga, wana mobali nanga, surtout ba soeur se bali, wana mobali nanga. Mobali nanga kuluna, wana ye kaka. Après kuluna, na kulune wana bolingo. Tu es resté comme ça, brisé. Tu as habité quelque part. Au vanda nanda kumoro boye. Nanda kwana ba maltraita yo. Kofinga yo. Kotinda yo. Au lieu de bénéficier na affection, place ok, affection exacte. Au moins, il y a un biso va boya biso na tribunal. Alléluia. Bato sambisa papa na mama. Et comme il gamba garde des enfants quand il voulait divorcer. Nana rozabana. Papa et papa lobi tengate na place sorta bangote. Mazana azana che bango kuna. Alléluia. Aboyi. Sigoyo wana nga kuna zalaka te na yoka lisolo. To yeawa. Na yeawa, consécration à premier né. Maman a vu ce qu'on a la cima, binon, aïe a consacré ngai. Wana ton mère ban. Na ye pebo na la tipe bien ba consacré ngai, ba lobi, a osa consacré, te faut papa na bangwaya. Na ro lugele a bazan na ba kongo. Luga moyen bengai, na kote la on a prière, ko ba consacré ngai. Jour on a oye ba. Naye prière culte à mardi on a souci pour la sambe là bas consacré à ngai ndamba sima mutema na ya na pandi pe libosa la bano nimba passer pour ça betinga li petit père pour ya sujet désolé li sangai si go père ango paye ndamba sungi. Aïe avant consécration, entretien, na papa. Papa ni na bureau ba osolanae. Il y aura discours avec sa papa. Na kabeli au moins na ngai. Déjà que tu boye boye biso na tribunal. Toye na église. Moi na bakabake pa nzambe. Boyete. Sikoyo, apôtre, na pa na netale belé. Mais aussi sou ngai yo bakisela ngai. Son nga pe apparemment mou kola ba ane nyonso. Son gyorcha mou tire la place facilement. On tire la place facilement. Aye, na yon ka pas si na lobi ma rambalo ba raya joyo. Baza la rana raison. Baza la rana raison. Et j'ai mûri cette blessure en moi. Alléluia. Wana zo betelo ma so nan aye. Et il y a des enfants aussi qui sont nés comme ça. Yé papa na biso ayebi ya blessé ngai. Tan ayebi azolo ba makamna mesana roloba. Azolo ba pazo seka. Lorabe ba yeba ina papa banda kala. Azango ka amitié. Mayebi ke wabo mangai. Bana mususu ba se retrouva na balabala. Mama boaki. Papa boaki. Papa boyi. Mama boyi. Bandeko ba boyi. Place aki na famille d'accueil ba boyi. Ogo hérité net na biso te net jefté. Tu en souffres. Tu en souffres. Manque d'affection. Le lozo kemba nango. Ce matin, Dieu veut guérir ton cœur de ça. Ce matin, ce problème d'affection, Dieu veut te guérir de ça. Il est le père des orphelins, c'est-à-dire le père des rejetés, les défenseurs des opprimés.
Bona minute yo. Naza déjà marié. Si le père na biso, est-ce que Arokyo ya lisusu a récupéré ngai? Arotanga place nini? Bonaza déjà chez ngai. Alléluia. Kanda lo bagi wana Dieu m'a pris. Papa m'a boya gine bana. A boya gite na baisa mara na kasa bagi shop. A bagi singai. Toko tika na kati wando évoluer. Mais ça m'avait fait mal. Et bon, ce qu'il y a eu problème les années. La deuxième blessure, les blessures dues aux humiliations. L'humiliation, c'est lorsque qu'on est rabaissé de façon insultante. Bah, qui tissue vraiment aux anatinatés. Ça peut être quelqu'un ou soit une circonstance de la vie. N'est-ce pas assez que au kitabongo. Ça peut être scandale moi comme la kyo. Bien aimé, l'humiliation engendre la honte. Nous avons vu l'histoire de la famille du roi David. Le roi David avait son premier-né, Amnon, issu na maman Moussous, et ses deux autres enfants, Tamar et Absalom, bangope na maman Moussous. Mais c'est une famille dans laquelle le désordre a régné. Pourquoi? Parce que son fils, son premier fils, fils aîné, Amnon, a déshonoré sa petite sœur Tamar. Il l'a déshonoré comment? Il l'a violé. Il a cherché à coucher avec Tamar. Pourtant, Tamar était encore vierge. En Israël, la virginité a une très grande importance. C'est qu'on a famille royale, les années. Tamar, violé par son frère. Elle a refusé, elle a négocié avec son frère. Mais Amnon a refusé. Pourquoi? Amnon était accompagné de son cousin et ami Jonadab, un cousin diabolique, maléfique, qui l'accompagnait, a conseillé. Quand ça vous a la malade, papa Roya, tant papa Roya, il y a eu un peu de temps, 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 il y a eu un gâteau moro sorcellerique. Sur le plan physique, gâteau. Mais sur le plan mental, moral, spirituel, ils ont gâteau. Et ça, c'est des honneurs. Tamar a été déshonoré par son frère. Il l'a violé. Tamar a refusé la honte, a refusé l'humiliation. Mais elle était attachée à elle tout au long de sa vie. C'est son frère qui a détruit sa réputation. Elle ne savait où aller, elle ne savait que faire. Elle est restée abandonnée dans la maison de son frère Absalom. Pourquoi? À cause, il y a humiliation. À cause des blessures qui sont liées aux humiliations. A violé, et pas yaya naïe. A bonde, yaya yébisa ta papa a autorisé un autre balana. Mais yaya a boi, a violé. Beaucoup de gens souffrent aussi de cette blessure. Blessure d'humiliation. Comme Tamar en a souffert, beaucoup de gens aussi en souffrent. Beaucoup de gens en souffrent. Humiliation, ni yo subi ça. Nani a humilié yo. Peut-être tu as été violé et tu te vois aujourd'hui indigne de paraître devant le gens, comme Tamar. Quand tu penses à ça, tu pleures. Ta position sociale t'a humilié. Arrivé à la G1, j'ai voulu acheter les syllabus. Nabengi, oncle, là, côté paternel.
va répondre, hein, bon, total. Première fois, va pécer. Après un temps, si vous avez un téléphone, sur la téléphone. Vous avez une maman, quelque part. Vous avez sa maman. Vous avez un bébé, vous avez un bébé, vous avez un. Autrement, tout ça, banani, ba mandian, boyete. Pourtant, tant on a robin à bango, et ça, vous pouvez pas s'en aller, vous pouvez pas santé. Santé. Mais, je suis resté avec ces choses dans le bayi, batoyo, le barara, hôtel de monnaie, ya bango. Mais, n'a qu'au tikalara, vous s'en aller, bango, soumbo, monte. J'avais pris cette décision. Pourquoi? Parce que, bah, humilié, n'aï. À cause de ta position sociale, nous t'a humilié. Il y a aussi certains frères. Ailleurs, au linga sœur, sœur Aboyi, Banda wana, frère Atiga na Soni wana, pour sœur Aboyaki. Je voudrais donner un conseil. Moutounion son avis à la critère. Alléluia. Parce que nous sommes à l'église. Moutounion son avis à la critère. Mes frères, au sepel n'est pas dans Moulaï, Moukousse, Mouké, Mounen. Yepé, soeur, ou anoké, ou proposer à la critère. Alléluia. Soro proposé, soeur. Apo ina ye. Le ka na yon zila. Et tika lo choc te que non. Beaucoup de gens sont restés avec ça à l'église. L'église wana. Ba ser, ba boy, ba frère. Po alinga moko. Peut-être ba critère na bino ekoutanite. Amen. Kosa la nango problème te. Na ba critère na yo frère, soeur aza. Mais na ba critère ya soeur. Frère aza te. Comme mûrir en haut et quatre, nous allons rebêter en haut l'isolo, non? La mère, on a passé à tes bisous de balan la mère. Alléluia. Alléluia. L'un de mes pères, le pasteur Bousso, me disait: petit, ce rôle est bête en église. Bongisa arme en haut. Dans nos os bêta, bête en haut bien Simba. Conseil à dormir sans rien. Dans nos os bêta, bête en haut atteindre cible. Cible on est sentir. Si on a ma casse, il y a atteindre cible et petit comme mécaté. Pourquoi? Parce que beaucoup de frères sont restés là-bas, un ou un, quatre, un bango. Moutouza rôle ou à l'église. Si on a eu mon star, il y a eu mon star, tout le monde est normal. Alléluia. Alléluia. Conseil, il est qui? Il est qui? Donc, tu as un problème dans l'église. Ce qui est invité, ce qui est invité, tu ne peux pas éviter pour ceux qui sont en Zambé, là, en Zambé, à orienter autrement. Et ça, tu as été humilié à cause de leur faiblesse, à cause de leurs défauts corporels. Tu es allé habiter quelque part à Bakanyon Chor. Bakanyon Chor. Batigi bana bangwandaku. Bana bangwandaku balakadis. Yora ramoko ye. Bakanyon doki. Tu es resté humilié. Likula elokwana. Les erreurs de la vie, ton passé aujourd'hui te condamne. Tu es aujourd'hui un sujet d'humiliation. Parce que tu as commis certaines erreurs dans le passé. La Bible dit, Anne était en train de pleurer. Elle pleurait pourquoi? Elle ne pleurait pas seulement parce qu'elle manquait d'enfants. Mais elle pleurait à cause des mortifications. Alléluia. Anne était servante de Dieu. Elle savait. C'est Dieu qui la Bible a dit Dieu l'a rendu stérile. Mukona tanga yango na maramso to lobara. Nzambe da komisa ki ebongo. Elle savait que non, les dieux que j'ai pris, les dieux que je sers, a rolongola eloko wana.
Mais il y a dit que avant d'aller la heure en humiliation et pénine. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te séparer de cette humiliation. Dieu nous envoie ce matin pour parler à ton cœur. Alléluia. Pour parler à ton âme, que tu te sépares de cette humiliation. Qu'est-ce qui t'a humilié, maman? Qu'est-ce qui t'a humilié, frère? Quand tu penses à ça, Naomi a dit, Dieu m'a rempli d'amertume. Ne m'appelez plus Naomi, parce que je ne suis plus belle. Dieu m'a humilié. Frère, sœur, qui t'a humilié? Qu'est-ce qui t'a humilié? Tu pleures de ça. Tu es blessé à l'intérieur. J'ai oublié un point. Il y a certains parents babeta kabana na nenga mabe. Azo beta mwana okanisa mabe o mwana sali lelo lobi mwana kosala kango soute. Je n'interdis pas parents de punir mwana. Mais certains parents ont blessé leurs enfants à cause de la frappe. Moi, je suis un papa à cause de la frappe. Ce que tu as dit, c'est vieux lion. Vieux lion, wana. Eza pour la combo, eza pour la blessure au takat na bango. Eza la ba maman soupe, soka simi go beta bana. Ondo kito nan. Quand tu fais ça à l'enfant, oyebi marambolo se mekati na e. Alléluia. On prie pour les enfants. Entre papa et maman, tu aimes qui? J'aime beaucoup maman. Papa peut mourir même aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Quand papa te frappe, il n'a même pas pitié de toi. Et pour terminer, nous voulons parler sur les blessures dues à la culpabilité. Jean 8, 7 à 9. Jean 8, 7 à 9. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a certaines erreurs au biso to cometa il y a longtemps, mais qui sont restées dans nos vies comme des traces indélébiles, des traces qui ne quittent pas. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à oublier malgré nos efforts. Toujours sentir comme un poids sur nous. Et ce poids vous alourdit et ça vous gêne considérablement. Marche non avec le Seigneur et a ralenti. Pourquoi? À cause de la culpabilité qui ronge ton cœur. Et c'est un instrument puissant que le diable utilise sans modération, la culpabilité, pour tourmenter et enlever la paix. La culpabilité peut être les résultats d'une faute commise de façon consciente ou inconsciente. Parce que quand on commet une faute, notre conscience est troublée. Deux fois nous nous battons pour oublier un péché. Oyo sala. Mais la loi de la conscience te rappelle. Quand tu penses à ça, ça te rappelle. La Bible dit,
Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Les pharisiens et les scribes sont venus le voir. Ils lui présentèrent une femme qui a été surprise en adultère. Selon la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée. Ça, c'est vrai. Et être lapidée à mort. C'est vrai. Ces scribes sont venus accuser. Mais Jésus répond, mon problème n'est pas na moi sur la salaire adultère. Mon problème est dans le bateau avec le funda, moi sur Anna. Jésus répond que celui qui n'a jamais fait ça, Abamba et Libanga. Libanga, ma banga bebele de moko. Réplique à Yesu Oyo, Bangonia son nien. Bangonia sur la saline. Bazongissima. Bapanzani. Mais ce qui attire mon attention particulièrement, et ça, attitude à bateau, ben, yo, condamné moi, si wana. La Bible dit, leur conscience les accusait. Donc, s'ils n'avaient pas de remords en eux, si leur conscience n'était pas tranquille, ils allaient rester là. Alléluia. Ils allaient rester et répondre à Jésus. Mais comme leur conscience n'était pas tranquille, ils avaient des remords en eux. Ils ne pouvaient pas rester. Ils ne pouvaient pas rester. Leur retrait prouve combien ils ont du poids, combien ils avaient du poids dans leur conscience. La culpabilité les a paralysés. La culpabilité les a condamnés. Yesu atuni bango te bino bosala nini. Alobigaka soki moko na bino. Alléluia. On a même fui de personne à cause de la culpabilité. Parce que tu te sens coupable à son égard. Okimi. Tu as développé des blessures à cause de la culpabilité. À cause de tes fautes, à cause de tes péchés. La Bible dit, Judas, après avoir trahi Jésus, il a vu que Jésus était condamné. Il vient apporter les pièces d'argent pour Narozoni, c'est là-bas sacrificateur. Aïe, Rozoni, ça m'a dit pourquoi? Culpabilité. Culpabilité. Il a reconnu son péché en livrant les sangs innocents. Le sacrificateur, eux aussi ont refusé de récupérer leur argent. C'est pour condamner encore Judas. Judas culpabilisé, blessé en lui. Il n'a pas supporté les blessures. Il est allé s'épandre. Mais ce matin, Dieu ne veut pas assez que tu puisses aller t'épandre. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus est en train de crier en ta faveur. Et là, on y a salaire, ma belle, culpabilité. Crée ma blessure, il y a culpabilité. Tu as une vie sans paix, sans joie. Bien aimé, à cause des blessures intérieures, beaucoup de gens ont de problèmes. Beaucoup de gens ont développé des maladies. Moutakomi a problème à tension. Tension en a kindokite, ma blessure intérieure. Moutakomi a problème estomac. Il y a même de ceux-là qui maigrissent, qui perdent la beauté à cause des blessures intérieures. Parce que Erosu a rara na Ero s'est manifesté pe boye. Naomi dit ne m'appelez plus, Naomi appelez-moi Mara. Pourquoi j'ai perdu la beauté? À cause des blessures intérieures, Batoussou va perdre un éclat. Et quand les blessures intérieures se manifestent déjà au corps,
ce que ta mort est proche. Alléluia. Alléluia. Parce que déjà intérieurement, tu n'auras plus d'amour. Tu auras la haine, la jalousie, le mépris, le recul. Tu ne sauras plus t'engager. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Je suis en train de dire à une personne, aujourd'hui, c'est son jour. Tu essayes personnellement de ton passé, mais ça te revient. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu as tenté à plusieurs reprises d'oublier ces blessures. Tu n'arrives pas à les oublier, mais aujourd'hui, c'est ton jour. Si peut-être un acte t'a blessé, si peut-être une parole t'a blessé, ce matin, je t'apporte aussi une parole. La parole que je t'apporte, ce n'est pas celle de mon père, ni celle de ma grand-mère, ni celle de ma mère. Mais la parole que je t'apporte ce matin, c'est la parole de Dieu. Il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, il est là pour te guérir. Tes blessures ont quitté la dimension émotionnelle jusqu'à atteindre la dimension physique. Je te présente celui qui a la capacité de guérir. Je te présente celui qui a la capacité de guérir même physiquement. C'est vrai, les blessures intérieures t'ont rongé physiquement. Le lokomi muta, hypertension, hypotension, estomac, diabète, sogini, nyoana, dikola va blessures intérieures. Mais la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, nous imposerons les mains sur le malade et les malades seront guéris. La Bible dit, je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit viendra. Il est avantageux que moi je m'en aille pour que les consolateurs viennent. Tu es blessé intérieurement. Aujourd'hui, ce matin, je te présente le Saint-Esprit. Je te présente le Saint-Esprit. Cette décennie, c'est une décennie de réussite. Une décennie de percée. Une décennie de démonstration de la puissance de Dieu. Mais avec ces blessures, le Saint-Esprit doit te guérir. Si tu es là, tu as été blessé par quelque chose. Je commence d'abord par intérieurement. Tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie, tu n'as plus d'amour à cause de ce qui t'est arrivé. Koyoka mutu sonite. Passe devant, on va prier ensemble. Tu as subi un mauvais traitement. Tu as subi une humiliation. Le Saint-Esprit veut te guérir. Passe devant, on va prier. Passe devant, on va prier. Le Saint-Esprit va faire un travail exceptionnel. Ezalayo mwana. Tellement que tu as été blessé, nabo mwana. Alors si tu grandis comme ça, naba blessure oyo. On ne sait pas qui tu seras demain. Dieu te fait grâce. Passe devant, on va prier. Papa, motema nanga, etondi sami. Commence à réfléchir. Qu'est-ce qui t'a blessé? Abba, papa, qui t'a blessé? Molimo, nanga, comment tu as été blessé? Pense à ça. Nanga, koluka yo, Abba, papa. Bien-aimé, toi qui es ici devant, tu dois te pardonner. Parce que à cause des blessures intérieures,
Peut-être tu t'es haï. Tu dois te pardonner. Tu dois pardonner aussi ceux qui t'ont blessé. Tu dois les libérer de ton cœur. Pendant que je suis en train de parler, tu sens vraiment cette douleur. Tu sens vraiment cette blessure. Tu sens la blessure. Tu sens la blessure. Quand tu penses à cette situation, ça te fait pleurer. Quand tu penses aux échecs, tu n'as plus de paix. Quand tu penses à ce qu'on t'a fait, tu n'as plus de paix. Quand tu penses à ce qui t'est arrivé, tu n'as plus de paix. Dieu t'appelle au bas de la croix. Il veut te guérir. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner à cause des décisions que tu as prises. Il y a même certains où ma blessure est constituée ma forteresse. Ils ont empêché les ambassades de la Bango. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Yoka. Tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit de guérir ton cœur. Prie, demande au Saint-Esprit de te guérir. Il en a la possibilité et la capacité. Prie, prie. 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 Demande au Saint-Esprit de te guérir. Le Saint-Esprit est en train de faire son action ce matin. Le Saint-Esprit est en train de faire son action ce matin. Rabashayama Koriyama. Et Karabashé, Naraba, Zibraché, Amande, Reboché, Rimazi, Darabashé, Koriyama, Zibraché, Yaraba, Zibraché, Yama, Koriyama, Zandarabashé. Tu sentiras comme si cette douleur est en train de s'intensifier. Oka, passionné, Zobakisama. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Et Karabashayama, Rabashé, Darabazi, Braché. Passionné comme Osumakasi. Et ça, le roi Bakoti Sasumbeli. Sharabazinda rabashe koriyama zibrashe ye karamazinda rababashe kariyama zibrashe
Indare mazeta rebache koria mazita rababa santa koria bache. E marababa santa ribaba bache koria mazibrache koria masanta riboche. E carre mama santa ribaba zibrache ama santa koria bache. Indare bababa santa koria bache. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail exceptionnel ce matin. Coria basi brache, ama santa riba basi brache. Icare mama santa ribache, coria mazinda rababa santa coria bache. Ecare mama santa riba zibrache, ama zibrache. Linda rima santa coria bache, ama zibrache, ama mama santa. Icare mama santa riba basi brache, ama santa coria bache. Rebezi brache, ama zibrache, coria basanta. Que la puissance du Saint-Esprit puisse traverser ton cœur. Que la puissance du Saint-Esprit traverse ton cœur. Que la puissance du Saint-Esprit puisse traverser ton cœur. Rabache Goria Basanta. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te délivrer. Rabache Amazinda Rababa Santa Goria Basha Yamazi Brache Amasanta Ribaba Santa Goria Bashe. Icare baba santa riba wazi brache ama santa koria bache maya baba santa. Icare baba santa koria bazi brache ama mama santa koria bazi santa riba wazi brache. Icare baba santa koria bache koria mama santa koria bache. Icare baba santa koria bazi brache koria mama santa riboche. Icare baba santa koria bazi brache koria mama santa riba wazi santa ribache. Ikaraba santa koria bache koria mama zibrache koria mama zibrache. Indaraba santa koria bache koria mama santa riba wazi brache. Ikaraba santa koria bache mama santa koria wazi brache. Reçois la guérison du Saint-Esprit, reçois la visitation du Saint-Esprit. Que toutes ces douleurs puissent disparaître. Rebacha ya mama santa koria bache brache koria mama brache. Que toutes ces douleurs disparaissent. Coria ma santa, coria ma ziblache, ma mama santa, coria bache. Là où tu as touché, que le feu du Saint-Esprit puisse pénétrer. Que le feu du Saint-Esprit pénètre. Que le feu du Saint-Esprit te guérisse. Que le feu du Saint-Esprit puisse t'opérer. Ribacha ya ma mama santa, coria bache, coria ma ziblache. Reçois le feu du Saint-Esprit dans cette blessure. Encore, ribaché, amazi braché, kori amazi braché. Que le Saint-Esprit te guérisse. Rima santa kori amaché, amama santa kori amazi braché. Ikarama santa kori amazi braché, kori amasanta riba amazi braché. Que le Saint-Esprit te guérisse. Ikarama santa kori amazi braché, amama santa. Que le Saint-Esprit te guérisse. Kori amazi braché, amasanta kori amazi braché, amama santa. Que le Saint-Esprit te guérisse. Icarababa santa coria basi brache à mama santa. Que le Saint-Esprit te guérisse. Ribacha ya mazida raba santa coria bache. Icaraba santa coria bache. Que le Saint-Esprit te guérisse. Icaraba santa coria basi brache à ma santa. Que le Saint-Esprit te guérisse. Icaraba zite reboche coria ma santa. Reçois la guérison du Saint-Esprit. Coria basanta riba basi brache. Reçois la guérison du Saint-Esprit. Riba santa coria bache à ma. Ekarababa santa koria bache, indarababa santa koria bache, koria mazi brache. Ekarababa santa koria bache, indarababa santa ribaba bache, amama santa. Ekarababa zi brache ama, indarababa santa koria bache ama. Ekarababa zi brache amama santa koria bache. Ekarababa santa koria baba zi brache amama. Ekarababa santa koria bache, indarababa santa koria bache amama zi brache. Ekerebo santa koria bache amazi brache. Indaraba santa koria bache, ekarima santa riboche, koria baba santa riboche. Reçois la guérison du Saint-Esprit. 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 Que le Saint-Esprit guérisse ton âme. Que le Saint-Esprit guérisse ton âme. Que le Saint-Esprit te guérisse. Rabacha yamande reboche. Que le Saint-Esprit te guérisse. Reboche. Que le Saint-Esprit puisse te guérir de toutes les blessures que tu as endurées. Que le Saint-Esprit te guérisse. Que le Saint-Esprit te guérisse. Rabba Shayama. Que le Saint-Esprit te guérisse.
Riba Santa Coria Bache. Que le Saint-Esprit te guérisse. Reste calme. Reste calme. Tu vas sentir la paix du Saint-Esprit en toi. Tu vas sentir la paix du Saint-Esprit. Sens encore cette paix. Sens ça. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit Saint de Dieu. Tu peux sentir ça. Je sens une joie inonder mon cœur. Une joie inonder mon cœur. Tu peux sentir ça. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Amen. Rentrer dans la paix de... Attendez. Quand vous avez accepté de pardonner, de vous pardonner aussi, assumez-vous maintenant. Alléluia. Assumez-vous et komaki déjà. Alors, on ne baisse pas le bras, on continue à marcher. À tout moment, médite la parole de Dieu. Quand cette chose veut remonter, que la parole de Dieu puisse faire taire ça. Et recommence normalement ta vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Je vais prier rapidement pour le deuxième groupe de gens. Tu as été blessé. Tu as pardonné. Mais blessure, on a créé malade. Aujourd'hui, tu en souffres. Maladie aux obéla, c'est à cause de la blessure. Hypotension, hypertension, estomac. Viens devant, on va prier. Si tu souffres, maladie ouana, c'est à dû aux blessures intérieures. Passe devant, on va prier. Nous invoquons le Dieu qui nous a dit que nous puissions imposer les mains sur le malade en son nom et le malade sont guéris. Seigneur, je ne te reconnais pas la capacité de report. Tu priais pour le malade, instantanément le malade était guéri. Au nom de Jésus-Christ, j'impose ma main sur maman, que la guérison puisse entrer dans tout son corps. Là où les blessures intérieures avaient créé de maladies, que la guérison puisse entrer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toutes ces douleurs, à toutes ces maladies causées par les blessures intérieures. Je mets fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Je ne dis pas après, sois guéri maintenant. Nous croyons ce que nous sommes en train de dire, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, bien-aimé, Dieu t'a guéri. Toi, peut-être, tu n'es pas blessé, mais tu reconnais avoir blessé une autre personne. Mutuana atikala na condition ma bepo na yo. Tu dois réparer. Alléluia. Alléluia. Oeza décennie, moussou, tu as vitesse. Tu dois réparer.
Si un homme reconnaît avoir blessé sa femme, papa, ezali lobanzambe. Mikiti sa, c'est ngai bolimbisi. Excuse na yo, pardon na yo wana, et guérir yepe. Maman peut blesser papa. C'est nga pardon. Ba parent peut blesser bana. Vous reconnaissez ça? Bo senga bango bolimbisi. Ça peut être dans le quartier, dans la parcelle, même ici à l'église. Batumsu bazala blessé na kata église. Bazala blessé na kata église. Sorozo reconnaître que nos frères wana, sœurs wana na blessé. Bien-aimé, n'hésite pas à vous réparer. Nous voulons décoller ensemble. Nous voulons vivre la délivrance ensemble. Mutaiko tika muninga na église wazate. Ndeto ya kibisonyo son église o nenge pe lobanza mbezo bima tozo yango ensemble. Rien n'empêche que nzamba pambo la pe bisonyo so to témoigner pe ensemble. Que Dieu bénisse sa parole.